Oh là, il y en a du monde. 20 pays sont représentés cette année au 25e Open des 10-12. Alors, ils sont où mes joueurs? Ah, c'est pas eux. Pas là. Ah, là non plus. Allez, voilà. C'est la première fois qu'ils sont du Maroc. Ils sont champions arabes, champions d'Afrique. Et de toute façon, c'est pas avant 10h15. Champion arabe, ça représente 8 pays. Je crois l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, donc le Qatar. Une grosse réserve d'enfants, ouais. 11-12 ans. Ouais. On a un très bon niveau de jeu 11-12 ans. Ouais. Bon, après, la scolarité des enfants, parce que c'est quand même, ils ont une très grosse scolarité, parce qu'ils sont obligés de suivre des programmes à la fois en arabe et à la fois soit en français, soit en espagnol, ça dépend du cursus qu'ils vont suivre. Par contre, bon, on n'a pas de salle ouverte quand il pleut, et c'est vrai que c'est un petit souci parce que bon, depuis quelques années il pleut pas mal. Parce que bon, les synthétiques avec la chaleur l'été ne tiennent pas. La résine ne tient pas, donc c'est pas lié sur tout ce qui est ciment. Et... comme on n'a pas encore de structure sport-études, j'espère qu'on en aura bientôt. Donc c'est vrai que les enfants, ils ont beaucoup de mérite pour arriver jusque-là. Et toute l'équipe marocaine est sur le même hôtel? Oui, oui. Ils sont dans le même avion. Et ça vaut le détour. Et du tout, le Maroc a pris une chose. Et tout vient de faire le matin. Maroc est un vivier tennistique.